Pierre Espérance, met aux amis qui ont avocat Pierre Espérance. Relais-moi, dis-moi, j'ai besoin d'un frère. Un certain ami, son gros n'avait pas moi. Mal la caille. Les mouvements de Pierre Espérance, la caille mettre là. Et que lui fait par la Pierre Espérance. Lui m'a demandé pour me classer sans suite pour lui. Plainte, mon chéri, Fidel, mon chéri. L'autre dit classer sans suite, là, c'est qui ça? Classer sans suite, ça veut dire c'est qui tes dossiers n'a pas fait suivre avec elle. Ok? Ce qui veut dire, Jean-Langage, il me dit, il a toujours été dans le cadre, l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit. Maintenant, je me dis, monsieur, non, les accusations portées contre vous sont tellement graves et que je ne suis pas capable de classer. Qui est ton juge plutôt? À capable blanche pour au-delà de nos lieux, mais moi, je ne suis pas capable. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo ça. Et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi pour venir parler ensemble avec vous. Tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous pour trouver ça. Et pas oublier d'activer la cloche notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci à vous même qui peut faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. C'est Jacques Lafontaine, jodi a nous content paraître la KO pour nous faire petit parler, un petit parler spécial parce que nous voyons que gagné un matraquage politique qu'a fait semble-t-il que et certification CSPJ fait gagne laisser au même spécial yo visé parce que tout le monde en général c'est commissaire Lafontaine à gauche à droite. Bah nous, on petit détail, comment comprendre la situation ça. Pour qui ça, matraquage politique, ça dans la vie nationale là. Mais je dis encore, nous avons des dossiers sensibles à traiter. Et c'est sur eux-mêmes que nous matraquage. Dossier Sojourné, par exemple, que moi j'ai fait appel sous lui. EDH j'ai fait appel tout. DGI j'ai fait appel tout. Excusez-moi, commissaire Lafontaine, l'autre j'ai fait appel là. Est-ce qu'il y a plus explicite? Explicite, Benny. Il y a une décision sortie qui dit que il a ordonné pour l'État remettre à la Sojourné 54 millions de dollars. Eh bien, ancien ministre d'Orsay dit la FMB bouche moins parce que me fait perdre 700 000 dollars dans ça. Parce que en principe, moi c'est représentant de l'exécutif dans le judiciaire, ont telle décision, le principe en droit dit, il y a un principe en droit qui dit, il n'y a pas d'exécution forcée contre l'État. Et si on n'est pas capable d'exécuter forcé contre l'État, moi-même, je ne suis pas capable de quitter ça passé, je suis capable de faire appel sur lui. Comment la frappe est bouchoua? Parce que je me fais perdre 700 000 dollars, comme c'était avocat Sojourné avant, les ministres continuent l'avocat Sojourné, donc je me fais perdre 700 000 dollars, la femme paye bouche moins. Qu'est-ce que ça te demande au juste? Il te voulait que pour mon dossier passé, pour te payer, pour l'État te payer Sojourné comme ça. Deuxième dossier qui est important encore. Vous refusez ça? Vous refusez lui. Deuxième dossier important, c'est dossier. C'est ça que vous refusez. Parce que je me campais de la loi. La loi dit que je fais appel toute ordonnance. Je fais appel et en plus que la loi dit qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre l'État. Donc, partant de ces deux principes, je fais appel dossier. Maintenant, deuxième dossier, dossier sur la famille. Mais je demande pour me libérer sur son dans audience criminelle sans jury, sous bénéfice de la loi de l'espinasse. Je dis, chef, là, non, pas capable. Parce que le dossier est tellement grave, si je ne fais pas le intérêt là-dedans, je ne fais pas faire ce deuxième dossier qui vient de mon problème. Troisième dossier de mon problème, c'est le dossier épiscopal d'Haïti, dans la question de trafic illégal d'armes et munitions. Mettre ma liste qui dit que je coûte 400 à 500 000 dollars, c'est un bâton de là, côté de Michita là. Malheureusement, je ne peux pas prendre l'image là. Et je ne peux pas tous, je vais gagner ça dans la tête pour me faire. Et que maintenant, il m'a demandé pour retirer le mandat de Père Madocheville. Je l'ai fait. Il fait une action devant le doyen. Ou tout autre juge délégué par lui-même. Et qu'il est capable de retirer le mandat. Mais même pas capable. Pierre Espérance. Mettre aux amis qui ont avocat Pierre Espérance. Relais-moi, dis-moi, j'ai besoin de frère. Un certain ami, son gros n'avait pas moi. Mais la caille. Là, je vais Pierre Espérance, la caille mettre là. Et que lui fait par la Pierre Espérance. Lui m'a demandé pour me classer sans suite pour lui. Plainte, mon chéri, Fidel, mon chéri. L'autre dit classer sans suite, là, c'est qui ça? Classer sans suite, ça veut dire c'est qui tes dossiers n'a pas fait suivre avec elle. Ok? Ce qui veut dire, Jean-Langage, il me dit, il a toujours été dans le cadre, l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit. Maintenant, je me dis, monsieur, non, les accusations portées contre vous
sont tellement graves et que je ne suis pas capable de classer. Qui est ton juge plutôt, à capable de pour un de lieu, mais moi, je ne suis pas capable. Et en, même, que, en tant que commissaire du gouvernement. Et dans la même semaine, elle m'a demandé, même amis ça, pour me retirer ou interdire sur le départ de 11 000 pour lui. Je ne pas capable de tout. Donc voilà maintenant les deux raisons pour lesquelles qui fait Pierre Espérance m'a demandé de déchaîner pour comploter avec trois membres CSPJ pour être capable de faire ça ou faire la rudière. Et maintenant, dans l'homme de commissaire sous Jovenel Moïse, c'est lui-même qui est venu la caméra là en bas, dans le basement là, qui te dit mon cher, pas mettre mandat derrière les VOB et que moi-même c'est moi qui a supporté, il pas fait ça. Qui est ça? Pierre Espérance. Et ouais, hier, yo Sambo l'a tellement prouvé. Cher Jonathan, on fait passer 10 ans. Il prend monsieur, hein, la lac dans le bureau, il fait pour ton plainte. Et méchante contre certaines personnalités politiques. Et que je dis, c'est monsieur même où il écrit dans la prison étant. Puis cher Jonathan dit, il écrit le message, il dit, mon cher, papa n'a rien, non. Si je suis libéré, pas dit rien de moi-même. Pas crasé un NDDH. Coup libéré, ma faut partir, ma faut quitter le pays. Les messages sont là, nous avons procédé le constat que M. Chelson Zano a fait constat, message sur le téléphone. Donc, son ex, c'est ça la fait seulement, c'est détruire le monde, finir le monde. C'est le même système, ça, excusez-moi, c'est le système ça qui besoin well, ce qui besoin d'une image dans la société. Ce qui veut dire, nous avons parlé de Goto, ça, qui c'est et Maître Samuel Madistin, Pierre Espérance. Pierre Espérance et puis Berto Dossé. Très bien. Maintenant, ça vient de passer, c'est que dossier prison son dossier important. C'est moi, c'est sous villa moi-même. Bandit pas quitté prison de manière irrégulière. Est-ce que ouais? C'est sous moi-même bandit pas quitté prison de manière dans liberté, dans libération spectaculaire dans prison. Donc ça veut dire que nous avons des bandits qui sont en prison. Et c'est tout le temps prison gen moun. C'est sous bagage ça ou même droits humains à faire comme yo. Yo fait projet de détention. Alors en pile là-dedans, notamment Pierre Espérance. M'a dit l'autre non, ni seulement Pierre Espérance. Alors là, on veut parler de surpopulation carcérale. Oui, carcérale. Depuis que vous avez monde, Pierre Espérance fait comme. Il fait projet. Et puis il dit blanc, mais l'on est pété dans la prison, on cherche moyen pour nous faire mettre des monde dehors. Mais comment m'a fait audience qu'on y a? Et que maintenant, audience correctionnelle, criminelle, moun a libéré. Ça a été condamné, cap contre Soyo, comme étant en prison. Donc, prison a commencé à bon souffle. Ça a paniqué Pierre Espérance. C'est-à-dire, là, c'est plus d'ici directement ou attaquer. C'est comme lui qui fait m'attaquer, c'est comme lui qui m'attaquer. Ok, tant que l'un ou l'autre qui a été libéré, et on a ensemble de monde qui était malade dans le dispensaire pénitentiaire, qui n'est pas accusé de oui. Faute grave, tout. Est-ce que ça a attaqué l'un que le pape. Étant que défenseur des droits humains, il n'y a pas vraiment jeune monde pour la défendre parce que vous-même vous avez fait travail là bas. Oui, tout à fait, c'est ça qui passe. C'est vraie raison, c'est vrai mobile là. Donc pas grand encore. Ça veut dire que moi-même, m'a bien clair. Et bien là, il frappe moi au plus profond de moi. Parce que l'honneur et l'intégrité ne se négocient pas. Donc, le silence, dans certains cas, est d'or, mais dans certains autres. Le silence est tuatoire. Je reprends ça dans la vidéo. Le silence, dans certains cas, est d'or, comme on le dit. Mais dans certains autres cas, il est tuatoire. Je rappelle, si le président Jovenel t'a dénoncé pour complot pour te tuer là, il n'y a pas de mourir dans le monde. Si M. Dorval Monfrérier t'a dénoncé menace de mort de recevoir son téléphone, il n'y a pas de mourir. Bon, moi, je dénonce ça, plan ça pour finir le caractère, je dénonce moi-même, c'est là le sorti. Il passe sur le côté encore. Mais, et, commissaire Lafontaine, nous connaissons que nous ne pouvons pas parler de certification. Alors de, nous ne pouvons pas parler sur le côté. Non, nous ne pouvons pas parler, mais pour qui ça, il y a deux juges, il y a deux commissaires du gouvernement qui ne peuvent pas passer dans le réto, qui dans le dossier, et puis tout le monde net, tout Dieu, c'est sous vous, et nous avons un bon parti dans la presse là tout. Qui était sur le commissaire Lafontaine qui a frappé pour avoir des problèmes personnels avant. Non, d'abord, je ne parle pas trop. Je suis conscient que je parle trop. Mais il le fallait. Mais l'accusation, il y a un pile tout. Il y a un pile tout, il faut me parler. Parce que si je ne parle pas, il y a un parle pour moi. Qui est-ce qui a pris un chèque sous deux? Pas une personne. Il n'y a aucun corrompu. Bon, s'il parle pour moi, c'est-à-dire qu'il fait quoi pour moi? S'il parle pour moi,
l'a défendre moi mais a dit moi même tout corruption me fait c'est les bonnes pour les manger il pas parler pas monde parler moi et Haïti tout bébé coupable est son bon donc ou ca coupable toi parler oui mais c'est pas pour la faute en chaque moi m'a parlé moi clair même de monsieur ou on dit pas pour au commissaire corrompu à la prison pour à la DCPJ qui a travaillé sur la grande criminalité. Gardez pour la DCPJ, est-ce que mon libéré bandit? Qui m'a dit un corps pour le commissaire gouvernement? C'est mon qui bandit, oui. Mon qui a arrêté mal, qui a arrêté dans la mauvaise affaire, dans la drogue, dans la détention illégale à ma feu, dans le kidnapping, dans le trafic d'âme. C'est mon ça qui a un corps pour payer pour mettre au dehors. Donc, à la prison de DCPJ, à la commissariat, est-ce que Jacques Lafontaine a libéré mon pour l'argent? Mandez tout avocat. Est-ce que pour libérer moun mande quoi pour libérer moun bouyo? Même avocat qui parle mal, qui parle bien, même pas dit ça. Je dis un message là. Le message c'est quoi le message? Le message c'est que moi dit que moi exerce une fonction officielle et politique. D'accord? J'ai des comptes à rendre à la société, oui. Mais pour mon job, mon boulot, je dis qu'on a rendu qu'à une seule personne. Sur la terre, c'est Ariel seulement. Le docteur Ariel Henry. Il a été critiqué par le Sahel l'autre jour. Il a critiqué la côté, mais tout le monde, moi-même, sont hommes de grand caractère. Je suis démissionné, déjà. On est d'accord? Et s'il faut me faire, je fais. Okay. Même pas faire pour yo. Commissaire, alors. Mais comment, attendez. Comment, qui est-ce qui bosse? Et pareil, qui bosse? Avec le ministre et le prophète. Ni un boss encore. Alors c'est ça, ma vie. Mais qui a si boss moi là? Boss moi, boss c'est un même. Attendez, y a pas boss moi en dehors de ma fonction. Bon, ok, d'accord, je le redis. Je vous dis ça aujourd'hui. Docteur Ariel avec Emily Prophète pas boss moi en dehors de ma fonction. Dans ma vie de citoyen, y a pas boss moi. Parce que c'est tête moi sous la tête. Mais un l'homme rien fonction avec ZCA, c'est un boss moi, c'est avec humilité. Allez là. Oh, mais attendez, mettre là. Vérité. Et vérité, m'a où ça passe? Bon, moi-même, je dis la radio, Geneg, même quand j'ai des vases pissés pour un pile boss, yoga. Ou d'accord? Geneg a lâché le marché. Attendez, oui. Geneg a lâché le marché. Qu'a lâché patate dure, mais moune pour le boss, yo, le marché. Ok? Quand j'ai des fatras, qu'a le boss, yo. Moi-même, je dis la radio, dans la télévision. Gagne qui fait ça là, ça pas ouais. Ça passe. Quelle est la différence? Donc, nous avons une question à poser moi. Une dernière question. Alors, oui. L'autre dit que c'est Bossoua et on connaît moi, il pas être un peu anglais, a essayé de comprendre ni mal. Est-ce que nous connaissons que le commissaire du gouvernement, c'est représentant exécutif? C'est ça, très bien. Belle question. Exécutif là. Très bien. Est-ce qu'il y a plus de détails? Je suis le représentant. Oui. Et de Ariel, oui. Bonne structure hiérarchique arrivée jusqu'à. Je suis le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. À ce titre-là, en cette qualité, moun ki chef moun le Ariel Henry. Et par délégation, madame Emily Prophète. Et m'baga encore. Merci beaucoup, monsieur. Bon combat. Merci beaucoup. Bon combat. Merci beaucoup pour le soin. D'accord. Et voilà, c'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonnez-vous avec la chaîne là, c'est pour que vous ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!